Le président français Emmanuel Macron a encouragé les autres dirigeants européens à soutenir un plan destiné à contrôler les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Il a affirmé que cela permettrait aux sociétés européennes d'élever leurs prétentions sur le marché. D'autre part, la chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Federica Mogherini, a manifesté son mécontentement concernant les divisions internes relatives aux migrations dans l'UE. Enfin, la rencontre de 2 jours a permis à la première ministre britannique, Theresa May, d'exposer sa vision de la protection des droits des ressortissants de l'UE habitant en Grande-Bretagne. Les autres pays européens poursuivront leurs propres discussions à propos du Brexit, cette fois-ci sans la participation de Madame May.